C'est un autre studio de télévision nationale d'Haïti. Bonjour, bonsoir à tout le monde sur la Terre. Nous comptons ensemble avec vous. Jeudi, mercredi 31 octobre. C'est dernier sorti nous pour ce maintenant. Et dernier sorti nous pour le mois d'octobre qui allait, qui a filé. Puisque demain, a déjà 1er novembre. Nous souhaitons tout le monde passer un très bon mercredi sur la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, dominé actualité, président République la Jovenel Moïse recevoir mardi 30 octobre à Palais National, premier ministre pays Barbade qui a fait une visite travaillée par Moïse. Visite sa rentrée dans le cadre intégration Haïti dans le marché unique communauté caribéenne. Deuxième journée de travail, Fédération nationale magistrat haïtien finalement déroulé hier mardi dans le centre convention Banque République d'Haïti, BRH, dans le centre-ville de Port-au-Prince. Financement développement local, c'est thème qui tape débat avec plusieurs intervenants dans l'atelier SILA, n'a pas appelé que et activité ça, il y a beaucoup jeudi, mercredi. Porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune, a porté explication hier mardi 30 octobre sur la situation de tension qui gagnait dans la zone 1er, 2e à 3e avenue Bolos lundi passé. Et puis, à l'étranger, président américain Donald Trump a menacé pour lui retirer droit à Timouna par un qui pas américain qui fait sous territoire américain qui gagnait pour le capable de nationalité américaine. Ça y aurait les droits du sol. C'est pour ça qu'il y a quelques autres nagues pour nous capables de développer pour nous la journée de mercredi. N'a pas de cause, pas de place, n'a pas de talent. Merci pour la fidélité à l'édition Nouvelle Silam. Nous retournons pour nous capables de développer toutes les informations pour vous. Et je note que dans le grand titre, président de la République, la Jovenel Moïse, recevoir mardi 30 octobre dans le Palais National, premier ministre du pays Barbade dans le cadre d'une visite à travail, l'a fait par Moïse. Visite sa rentrée dans le cadre d'intégration du pays d'Haïti dans le marché unique communauté caribéenne. On nous suit le reportage avec Sabine Jaïtienne et puis Jean-Naël Gouverneur. Rencontre ça, c'est le résultat, c'est une discussion. Haïti est entamé pour permettre plein mise en œuvre, marché avec économie unique dans Caraïbes, CSME, vin effectif. Une structure qui est entrée en vigueur depuis l'année 2006. La première ministre est. Torchelles Family. Voir le président Jovenel Moïse pour établir des discussions stratégiques autour de cette question. Le président a été heureux d'accueillir la première ministre, d'autant que très récemment, dans son discours en tant que président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, le président de la République a réaffirmé que la mise en œuvre du CSME et l'intégration d'Haïti à la CARICOM est un sujet d'importance pour le gouvernement haïtien. Donc, le président Jovenel Moïse a tenu des discussions avec la première ministre sur cette question dont les différents volets et les différentes composantes ont été discutées. Toute institution de l'État qui concernait la mise en œuvre CSMEA, ça veut dire question de libre circulation monde à biens, commerce marchandises, acte service, c'est participer dans la rencontre. Pour qu'on y ait citoyen haïtien pas besoin de visa pour voyager dans la communauté caraïbienne, j'ai été discuté dans le sommet CARICOM dans le mois de février passé. Ce n'est pas affaire de haïtien pour avoir un visa, c'est haïtien pas besoin de visa pour voyager dans l'espace communautaire. C'est dans ça que nous sommes là. Son décision de chef d'État et de gouvernement qui était pire aux instances communautaires. Pour une décision, une mise en œuvre de décision. Par exemple, le même Barbade, sur deux ans, Barbade là, qu'on a fait des yogos, le petit après-midi, tout le nouveau Barbade, où est-ce qu'il y a? Visite travail premier ministre Barbade là en Haïti, duré un jour, Livin conclut concrètement à président Jovenel Moïse tout ça qui t'a discuté depuis vendredi 26 octobre, entre autorités haïtiennes
avec une délégation secrétariat technique CARICOM qui n'a pas été depuis jeudi 25 octobre. N'apprend pour suivre l'information, j'en ai dit dans le grand titre. Deuxièmement, journée de travail à Fédération nationale magistrat haïtien au FENAM, déroulé à Yemadia dans sa convention Banque République d'Haïti BRH dans centre-ville Port-au-Prince. Financement développement local, c'est un thème qui tape débat avec plusieurs intervenants pendant la journée mardi Silam. Stéphanie Charles à Cloro, Dali Jajaka a présenté nos reportages. Financement développement local, c'est un baptême de la 3e atelier de travail Fédération nationale magistrat haïtien yo après poursuivre. Rappel sur différents outils à dispositif financement développement local, c'était principal point ancien chef l'État, Jocelyne Privière Télébat. D'après lui-même, décentralisation a permis à tous les citoyens de gagner accès à service l'État de Weyo, d'y éviter parlementaire yo, mettre dans la constitution loi 4 décentralisation. Bon côté PAL, PDG Groupe Croissance, nan, Kessner Farel, qui t'a été venu sous conséquence investissement public et développement économique et social, fait qu'on est mérité de créer confiance dans la façon de gérer fonds communaux, pendant le mandat de mettre sous pied un fonds recyclage qui est capable de rapporter mérité plus l'argent. Depuis mobilisation ressources fiscales communaux, évolution recettes fiscales depuis 10 dernières années, implication élite collectivité territoriale, éléments dispositifs pour financement développement territorial dans le pays d'Haïti, c'est un seul point qui tape débat pendant la deuxième journée de travail ça qui joint Bourad, USAID, PNUD, ambassade pays la Suisse avec la France. N'a pas continué avec l'information, le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural. Dans tête collée avec le ministère conditions femmes et droits femmes et puis ONU femmes, réalisé mardi 30 octobre, il y a un atelier de consultation sur plateforme nationale qui permet de vendre à travers Internet produits cacao haïtiens. Activité ça rentre dans le cadre de GFOR, ministère concerné, il y a fait pour capable de rendre femmes dans le pays autonome, surtout femmes qui sont dans le milieu rural. Rachel Saint-Paul à Christelle Tessin a présenté nos contributions. Jardin Cacao Femme d'Haïti, c'est une plateforme numérique qui permet aux femmes qui produisent cacao dans le pays à arriver à faire connaître et vendre des produits en ligne. La plateforme s'est rentrée dans le cadre d'un projet pilote initié à expérimenter dans le pays à qui visait à partir de l'utilisation de nouvelles technologies, information et communication, renforcer la capacité des mesdames qui produisent. Et puis un lieu autonome. L'initiative, ça a commencé, c'est dans le commencement de l'initiative, ça a nous y est là. Jusqu'à présent, nous avons développé un prototype par rapport avec l'idée, par rapport avec vision ça a, qui s'est créée en plateforme numérique, côté que nous avons connecté productrice, productrice cacao, productrice n'importe quel produit agricole avec. Acheter avec exportateur. Donc, jusqu'à présent, nous étions en focus par rapport avec le département sud, côté que tu as une production cacao qui n'est pas très mauvaise disparaître. Et tu as un peu d'initiative dans la zone ça pour production cacao qui a augmenté vraiment. Et donc, c'est dans le département ça. Nous accompagner mesdames qui font business, qui produit, pour permettre de gagner plus de connaissances et puis rentrer plus l'argent. C'est travail ministère conditions femmes et droits femmes, d'après le coordonnateur qui a géré le dossier technique ministère Emmanuel Gonzague Désir. L'État a adopté une politique d'égalité femmes-hommes. Et politique ça, elle est échelonnée sur 2014 à 2034. Maintenant, dans la politique d'égalité, il y a un plan d'action nationale sur l'égalité femmes-hommes et qui est échelonné de 2014 à 2020. Mais il y a 6 orientations dans le plan que l'État a priorisé. Mais dans la 5e orientation qui parle de l'autonomisation des femmes, quand on parle de l'autonomisation des femmes, on voit la question économique. Donc, avec cette orientation-là, l'État prévoit un ensemble de mesures. Une mesure, c'est accompagner
toutes mesdames qui ont fait entreprise, qui ont capoté l'argent, qui ont baillé pob. Parce que nous connaissons bien que mesdames yo travaillent en pile dans tout secteur d'activité. Mais les n'a gardé bien, nous rendons compte que mesdames yo pas jamais bénéficié de ressources. Donc, le ministère gagne pour encourager tout le monde qui accompagne mesdames, mettre plus l'argent en termes de faire mesdames et renforcer la capacité, faire au produit plus et puis pour faire plus l'argent. D'après responsable, c'est que la femme qui a produit cacao dans le pays a déjà enregistré dans la plateforme Jardin Cacao, femme d'Haïti qui est en phase de développement. Après le processus de consultation qui a fait à divers acteurs, une version améliorée est disponible en 2019. Selon témoignage organisateur atelier A. Na patre dans chapitre sécurité, nous te dit tout dans grand titre. Porte-parole police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis Jeune, pote explication à Yemadian sur situation tension qui te gagné dans zone 1er à 2e avenue Bolos, jour lundi 29 octobre passé. Commissaire Louis Jeune fait connaître 4 individus examen qui était dans une machine qui t'a fait échanger coup d'âme avec agent PNH avec coup d'âme avec l'autre groupe armé dans quartier ça yo porte-parole police nationale la commissaire lui jeune en des collaborations population haïtienne avec agent PNH Torchelles family efficacité dans réponse la police à baïa pour capable résoudre le problème cela dans zone ça yo en nous se exprès te gagne un pick-up Toyota Hilux de couleur noire que bandits armés te volaient dans Delma 19 depuis vendredi. C'est un pick-up qui appartenu à une institution privée en pays. Et yo volé pick-up là, mais depuis yo volé pick-up là, système de renseignement la police là te gen pas gen information, il t'a travaillé sur dossier. Yo mette pick-up là en stationnement pendant 2 jours, pendant tout week-end là. La police toujours gain information yo et toujours connaît tout qui côté pick-up là yé et qui moun ka fait usage de lui. Dans lundi matin, pick-up là sorti en direction de Léogane. Et la police toujours passé des instructions pour toute patrouille de police qui ta wè une machine qui répond à une description comme ça. Yo ta intercepté avec moun ki a bol. Y a suivi pick-up la. Pick-up la à l'entrée de la ville de Léogane, li remarqué yon on patrouille de police qui a fait un contrôle routier. Et certainement nombre d'entre imposant, yo retracté. La police toujours a suivi et c'est comme ça, les rivé yo rete, li pa rete, yo rete pick-up la pa rete et la police stoppé pick-up la. Pour te permettre et moun yo te capable rete. Et bien c'est comme ça, il y a 4 moun et en dedans pick-up ça qui était lourdement armé, qui était fait échange de tir avec la police. Et yo couri qui était pick-up là, mais forme jour pick-up là te gagne une plaque privée, l'elle t'a appartenu à propriétaire, l'envoi ou te prend dans mes propriétaires li et numéro plaque privée ça c'est DD52024 et moun ka vin fè usage illicite de pick-up la, li change, li mette en plaque service de l'État la dan, qui c'est SE02698. Et la police récupère pick-up la, et li récupère tout de plaque sa yo, qui c'est plaque qui appartenu à vrai propriété pick-up la, qui c'est plaque qui appartenu à l'État haïtien. Et par la suite, et malheureusement, la police pas de chance mette main nan collecte yon nan monsieur sa pou te arrêté yo et traîné yo par devant autorité compétente yo pour les suites de droit. Monsieur yo couri et pendant a couri yo te tiré dans toute direction et c'est par la suite et yo te vinn entrer dans yon échange de tir avec bande rival pareil yo. Mais ça te vinn gen par la suite là li pas concerné la police particulièrement directement alors et yo te vinn gen échange de tir avec bande rival pareil yo. Donc c'est ça qui mené à situation ça. N'a quitté chapitre sécurité, nous prenons dans le domaine social, puisque des habitants qui vivent dans le quartier Bélair, Fonds National, à Post-Machamp, à Claude Zona, dans la région métropolitaine, qui recevra 3 500 plaques manger cuites lundi 29 octobre.
Distribution sa fait dans cadre ensemble programme social. Administration Moïse à gouvernement CN était campé pour accompagner les citoyens qui vivent dans le quartier défavorisé. On nous suit plus explication. Il y a une responsable qui a assuré la distribution de cela dans le micro Midrel Milias avec Wilson Idoni. Jodi a nou à peu près 3500 plats pour monde et place Pigeon comme nous toujours fait comme d'habitude et ça n'a demandé tout n'a demandé à président pour continuer travail ça parce que l'autre zone y a besoin tout parce que pour jeune nous pays a nous besoin et cantine mobile et nous même agent distribution yo, et cantine mobile nous prêt pour nous porter support nous et n'a toujours continuer bail président Jarret et puis DG à tout. N'a demandé pour que Liban nous en plus support pour que programme nan réalisé parce que peuple là souffre en pile et nous avons travaillé d'arrache-pied pour nous bailler président avec gouvernement tout bon service et n'a demandé gouvernement pour mettre en pile action nan et cantine mobile surtout avec panier solidarité pour que nous même nous avancer avec programme nan. Ministère intérieur collectivité territoriale distribué lundi 29 octobre passé à 6 machines by 6 présidents association départementale Kazeka dans le pays d'Haïti. Distribution ça rentré dans le cadre d'engagement président République Jovenel Moïse Tepram avec Kazekio dans le mois de janvier 2018 là pour bailler au moyen pour travailler dans l'intérêt population yo, d'après ministre intérieur à collectivité territoriale yo, Jean-Marie Reynaldo Brunet. À nous suivre un reportage avec Roosevelt Desrosiers et puis Jasmine. C'est président de l'association Kazek dans le département l'Ouest, Sid, Sides, Vendance, Nord, Aklatibonite, qui recevra machine Sayo. Matériel Sayo doit permettre les locaux de travailler plus bien, d'après le ministre intérieur à la collectivité territoriale, là, Jean-Marie Reynaldo Brunet. Au président de la République, M. Jovenel Moïse, le développement n'a pas commencé de l'autre côté que par les collectivités. Dans ce sens, nous-mêmes, nous là pour accompagner la collectivité, hein, comme feuille de route là, que le président de la République là, avec le premier ministre Santébanou, qui dit que normalement, c'est renforcement collectivité, dans l'appareil de mairie, de Kazek, de Azek, de délégué de Julio, nous-mêmes, nous là pour nous renforcer la capacité de manière à ce que nous-mêmes, nous rendons service tout à la population. Différents présidents de l'association départementale Kazek, exprimer reconnaissance envers le président de la République là pour machine sa yo. Yo promet pour bien utiliser matériel yo. C'est pas là que vous mangez les ventes plein. C'est vrai. Collègues nous yo attendent avec un pile satisfaction pour que véhicule ça arrive dans tout département yo. Mais nous comprenons tout pas qu'arriver pour une raison en même temps. Et moi-même, moi prêté voir tout l'autre Kazek et département, Kazek qui sont dans le département et le président yon matisé pour que vous me remerciez ou même nan nan yo et pour transmettre remerciement ça pour nous, by président. Tortellus family. Moi pense que machine nous gagne et véhicule nous gagne yo, c'est pas véhicule pour on est au moins à faire ça vle, mais faut qu'on mette au service département, mais ça pour nous sortir nan situation nous yon pour nous passer à une autre situation. Après distribution 6 machines Sayo, by 6 présidents de l'association départementale Kazek, ministre Jean-Marie Reynaldo Brunet promet 6 lots à président de l'association départementale Kazek qui peut rejoindre. Yon lot bord. Et cela nous mette bout dans le chapitre local là, non prêt à l'étranger, puis près nous dans le pays États-Unis. Et nous avons dit que grand titre, puisque le président américain dans une interview de Baya, lui fait connaître que lui est capable de retirer ça ou les droits du sol qui garantit le 14e amendement de la Constitution américaine. D'après section 14e amendement de la Constitution américaine, lui fait connaître tout le monde qui fait ou soit qui naturalisé dans le pays États-Unis, il a coupé en bas juridiction ça, il est citoyen américain. Et puis citoyen l'état côté habité ya et bien président américain lui fait connaître lui-même à travers un décret présidentiel lui capable de retirer droit cela Euronews à Dimitris. Mettre fin au droit du sol base du 14e amendement
C'est le nouveau projet de Donald Trump. Dans un entretien à Axios, l'hôte de la Maison-Blanche a déclaré qu'il voulait refuser la nationalité américaine aux enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière. Et cela sans recourir à un amendement constitutionnel. Vous pouvez certainement le faire via un vote du Congrès. Mais maintenant, on m'a dit que je pouvais simplement le faire par décret présidentiel. C'est ridicule, nous sommes le seul pays au monde où une personne arrive et a un bébé, et le bébé devient d'office un citoyen des États-Unis pendant 85 ans et bénéficie de tous ses avantages. C'est ridicule, il faut en finir. En réalité, une trentaine de pays dans le monde, dont la France, appliquent le droit du sol. Et il semble difficile pour Donald Trump de pouvoir l'annuler par un simple décret. À quelques jours des élections de mi-mandat, le président espère, via cette annonce, remobiliser sa base sur le thème de l'immigration. La veille, il avait envoyé des milliers de militaires à la frontière avec le Mexique, vers laquelle se dirige la caravane des migrants. Pourtant, le groupe n'y est pas attendu avant plusieurs semaines. Il a toujours été dans le pays États-Unis, toujours président américain Donald Trump, reni à Yemadien à Pittsburgh pour capable de rendre hommage à la victime d'un attaque qui fait un samedi passé à la synagogue. Cependant, il y a environ 1500 personnes qui manifestaient contre un visiteur Silla et qui ont lancé des paroles qui m'ont bouqué contre un chef d'État américain. Heureusement, nous avons dit il savait qu'il ne serait pas le bienvenu, même s'il disait avoir hâte de se rendre à Pittsburgh pour rendre hommage aux victimes de l'attaque antisémite la plus meurtrière jamais perpétrée aux États-Unis. Dans la synagogue endeuillée Tree of Life, Donald Trump a allumé une bougie pour chacune des 11 victimes. Il était accompagné de son épouse, Ivanka, convertie au judaïsme, et de son gendre, Jared Kushner, portant une kippa. Une manifestation l'attendait, le conspuant pour ses propos considérés comme pro-suprémaciste blanc. Je suis vraiment contre Trump et sa politique et ses partisans. Ce n'est pas le moment pour lui de venir ici dans ce quartier de Pittsburgh. Trump est accusé de désinhiber l'extrême droite avec ses discours enflammés, même s'il a condamné l'attaque antisémite et si sa politique est pro-israélienne. Nous voulons demander au président Trump d'arrêter ses discours de haine et de tenter de réunifier notre pays. Je pense que la visite du président est une distraction. Je pense que cela porte atteinte au deuil de notre quartier. Nous sommes en deuil depuis quelques jours maintenant et tout à coup, parce que le président veut venir, nous devons fermer les rues et personne d'autre ne peut venir. Hier, les premières funérailles ont été organisées juste avant l'arrivée de Trump et de la famille présidentielle. Deux frères d'une soixantaine d'années tombés sous les balles pendant l'office du Shabbat ont été enterrés dans le cimetière juif de la ville. Des enterrements vont émailler cette semaine à Pittsburgh. La manifestation, rarissime dans ce contexte tragique, a mobilisé 1500 personnes. Et n'a toujours été l'autre bord de l'eau, un jour après avion Lyon Air, fin casé dans le pays Indonésie, et bien pas de chance encore pour être capable de jouer un rescapé parmi 189 passagers qui étaient trouvés à bord avion cela. C'est d'ailleurs de l'eau dans le géant de la famille acteur par Indonésien. Heureusement pour plus de détails. L'heure du deuil en Indonésie. Au lendemain du crash de l'avion de Lion Air, il n'y a presque aucune chance de retrouver un survivant parmi les 189 passagers. Le président du pays, Joko Widodo, s'est entretenu avec les équipes qui continuent de repêcher les morceaux de corps. Son ministre des Transports a réclamé l'inspection de tous les Boeing 737 MAX du pays. Les compagnies aériennes doivent signaler les irrégularités, les défauts et vérifier l'historique de la maintenance du dernier mois enregistré dans les journaux de bord. L'avion qui n'avait que quelques mois s'est abîmé 12 minutes après son décollage de Jakarta. Il venait de demander au contrôle aérien l'autorisation de faire demi-tour. Et c'est là, journal arrive dans le bout de l'île, mais avant que nous quittions le plateau, permettre que nous rappelions grand point qui dominait l'actualité. Président République Jovenel Moïse recevra journée mardi 30 octobre 2018 dans le Palais National Premier ministre pays Barbatla qui a fait une visite travaillant à Boïsite. Visite ça rentre dans le cadre intégration pays d'Haïti dans le marché unique communauté caribéenne. Deuxième journée de travail, Fédération nationale magistrat haïtien yo déroulé dans le centre convention bancaire République d'Haïti DRH dans le centre-ville Port-au-Prince.
financement, développement local, c'est thème qui tape de bata avec plusieurs intervenants dans l'atelier SILA. N'a fait connaître que le Congrès national finalement about jeudi mercredi. Porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis-Jeune, pour explication à Yemadian sur la situation de tension qui était gagnée dans la zone 1er, 2e à 3e avenue Bolos, jour qui était lundi 29 octobre passé. Et puis à l'étranger, le président américain Donald Trump menacé pour les retirer de Watimouna qui fait sur le territoire américain gagné pour y tout gagner nationalité américaine. Tortellus family. C'est pour ça que Claude, nous t'es porté pour le journal aujourd'hui, mercredi. Nous t'es vraiment content. Ensemble avec vous, pour t'es capable d'informer aussi un long week-end qui attend nous. Nous souhaitons passer un très bon mercredi et surtout un très très bon week-end. Rendez-vous avec Journal Matin pour l'autre présentation avec Ricardine Desjardins ce lundi prochain. Bye bye tout le monde. À la prochaine.